Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Look the Star. Je suis Brian de Romeo Cosos et ça, vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, on reçoit un invité de marque. Il nous vient de Bangui, de la République centrafricaine. Il s'appelle Monsieur l'artiste Ozaguin Djigba. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien, je vais très bien. On vous souhaite bienvenue sur ce plateau et surtout bienvenue au pays de la Teranga. Merci beaucoup. Vous avez fait bon voyage? Ouais, ça s'est bien passé. Ok, super. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre première rubrique qui s'appelle Biographie. C'est parti, let's go. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Look the Star. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer notre première rubrique. Alors, Monsieur Ozaguin, dites-nous, parlez-nous un peu de vous. Qui est Monsieur Ozaguin? Ben, Ozaguin, c'est d'abord centrafricain, c'est un centrafricain, un jeune artiste, chanteur centrafricain. Voilà. D'accord, qui fait de la musique. Ouais, qui fait de la musique, la bonne musique. La musique est intelligente. Ouais. Ok, super, réel plaisir. Après, j'aimerais savoir, parce que on vient du même pays, ça c'est pas. Je tiens à le notifier et tout, on est plus tous les deux originaires de la Centrafrique et tout. Et chez nous, c'est un réel problème pour les parents de voir leur enfant qui décide d'entamer une carrière musicale et tout. Parce que dans leur tête, quand ils mettent au monde leurs enfants, c'est pour qu'ils puissent aller à l'école et après travailler, trouver un bon boulot et qu'on sort et tout. Donc la musique ou encore le sport n'est pas de mise chez nous. Alors, dites-nous, comment est-ce que vos parents ont réagi quand vous avez décidé d'embrasser une carrière musicale et tout? Ben, vu que moi j'avais arrêté les études et puis j'avais rien à faire, rien comme métier. Et voilà, pour moi, ma mère avait décidé, voilà, on avait décidé ensemble avec ma mère. C'était pas ma décision à moi seul, mais D'accord. voilà. Donc j'avais essayé de parler avec ma mère. Oui. Et vu que je vivais avec elle, Oui. voilà, donc elle m'a encouragé à faire de la musique. D'accord. Voilà. Non, on peut dire dans l'ensemble, ça a été facile, Bon, naturel. c'était déjà depuis quoi, quand j'étais tout petit, je me disais un jour je serai artiste, un jour je serai chanteur. Donc voilà. D'accord, Voilà. d'accord. En tout cas, C'était mon chemin. je pense que dans la vie, quand on reçoit le soutien de la famille dans tout ce qu'on fait et tout, ça nous facilite vraiment la tâche, ça nous rend la tâche vraiment facile et tout. Parce que notre famille est notre soutien numéro un. Ouais. Et ça nous permet de compter sur la famille et tout, et de faire les choses bien, et surtout de mettre le paquet pour pouvoir honorer cette famille-là. Ouais. Exactement. Alors, sans plus tarder, nous passons directement aux deuxièmes rubriques. C'est parti. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Look the Star dans la deuxième rubrique qui s'appelle Choix du style. On va parler du choix du style vestimentaire et aussi du choix du style musical. Alors, dites-nous, Monsieur Ozaga, d'où vient votre inspiration pour pouvoir faire de la musique et tout? Ben, mon inspiration vient quand je suis à seul, parfois quand je suis dans la foule. Voilà. C'est là que mon inspiration vient. Et voilà. Donc, ça dépend aussi des endroits où je suis. Parfois, même dans l'avion, même quand on fait des répétitions, quand il y a des instrumentales qui jouent à côté, ça peut aussi m'inspirer. Voilà. Là, on va dire que quand l'environnement est vraiment favorable et tout, voilà, ça. Ouais, ça vient. Ok, d'accord. On Voilà. dit souvent l'inspiration, ça vient comme ça, ça veut. Ça vient, ça sort, ça vient, ça sort. Et il y a des inspirations aussi. Quand ça vient, ça reste. Ça reste et tout. Voilà. Et vous vous inspirez de quoi en particulier, par exemple, pour pouvoir faire. Ben moi, je parle, en fait, toutes mes inspirations, ça parle de ce que nous on vit en ce moment dans la société. Voilà. Tu connais la Centrafrique. Voilà. Donc, je parle de ce qui se passe dans la société en En général. général. Voilà. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Et on voit souvent, je suis, ça c'est assez, je tiens à le dire et tout, je suis un fan numéro un et tout. J'écoute pratiquement tous les Fan sons de numéro Ozaguin. 1. Voilà, je m'octroie ce titre-là. Je suis le fan numéro un de Monsieur Ozaguin. J'écoute pratiquement tous vos sons et tout. Et j'ai constaté que généralement, vous parlez de l'amour. Alors, pourquoi vous tenez tant à ce thème-là? Non, mais pas que l'amour. Ouais, moi je parle de ce qui se passe aussi dans le pays. Voilà, critiquer le gouvernement, mais pas dans le mauvais sens. Si on se comprend. Oui. Voilà, tu as l'habitude d'écouter aussi mes sons qui. Souvent, il y a des gens qui me disent non, là, tu vas trop loin. C'est Voilà, il vrai. n'y a pas que l'amour. Bon, moi, j'aime l'amour. J'aime l'amour, donc je dois chanter l'amour. Mais dans tout ce que moi je fais, je parle de tout.
Donc, on va dire que M. Ozaguin est vraiment à l'affût de l'actualité et tout. Ouais. Dans tout ce qui se passe autour de lui et tout, il essaie de s'inspirer de ça pour Mais c'est pouvoir. quand même un digba, mon frère. C'est quand même un digba. Voilà. Ok, d'accord, c'est un réel plaisir en tout cas. Et en tant qu'artiste confirmé, est-ce que vous faites des recherches et tout, ou bien des cours pour pouvoir rédiger vos textes? Ben là, ça dépend de l'artiste. Ça dépend de l'artiste. Mais moi, par contre, non. Voilà. Donc, ah, ça, c'est quelque chose, hein. On va dire que M. Ozaguin est vraiment inspiré. Ouais, ça vient de Dieu. Donc, pour moi, non. D'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez changé de manager depuis que vous avez commencé? Oui. Et pourquoi? Bon, là, ça reste secret. Secret professionnel. Donnez-nous juste une brève aperçue. Il y a eu un problème ou bien arrivé à un moment Non, donné. là, j'aimerais que ça. Là, c'est secret. Secret, c'est secret. D'accord. Ouais, secret, c'est secret. D'accord. Là, tu Ok, me pousses. on va garder ça comme secret alors. Ouais, secret, En tout cas, merci. M. Ozaga a refusé de dévoiler ses secrets. Ouais, là, c'est D'accord. secret. Et on va dire que M. Ozaga fait quel style de musique, quel genre de musique? Dans un premier temps, je Oui. fais de la bonne musique. Et avant, c'était la rumba. La rumba, un peu rythme traditionnel. Et là, j'ai essayé de mélanger avec la musique urbaine. Ben, je fais tout. Je D'accord, fais tout, ouais. d'accord, 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 d'accord. Avant, vraiment, c'était la rumba. Et vu au pays aussi, on m'appelle le roi De la de la rumba rumba centrafricaine. centrafricaine. Ok. Ben voilà, donc au jour d'aujourd'hui, il y a aussi la musique urbaine qui est là. D'accord. Ouais. Et on va laisser un peu le côté musical, on va aller plus sur le domaine de la mode et tout. On dit que de nos jours, les artistes, en général, hein, sont vraiment, ils sont vraiment, ils ont tendance à oser au côté de la mode, sur le plan vestimentaire et tout. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon, je dirais oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va parler de la musique, on doit aussi parler de la mode. Quand on va parler de la mode, on va parler aussi de la musique. Moi, je vois que c'est vrai. On va dire que la mode et la musique vont de pair. Ben, c'est très, très important. La mode joue un rôle très, très important dans dans la musique. D'accord. Ouais. Et comment vous pouvez décrire le style vestimentaire de M. Ozaguin? Ben, je sais pas. Moi, je m'habille de tout ce qui est devant moi. D'accord. Ouais. Mais moi, par contre, j'aime des trucs simples. Comme ça. Voilà, des looks simples. Ben, par exemple, comme Exactement, ça, exactement. je me sens à l'aise. D'accord. Du Voilà. moment c'est confortable, décontracté et stylé, ça va. Non, non. Moi, j'aime des trucs simples. Bon, parfois, je peux m'habiller fashion. Mais Fashion. c'est pas forcément que chaque jour fashion. Moi, là, vraiment, c'est ce que moi j'aime. D'accord. Donc on Voilà. va dire au quotidien et tout, vous avez tendance à opter pour des looks qui sont hyper simples. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez une équipe artistique derrière vous, genre un styliste et tout, qui vous aide à choisir vos looks, par exemple, quand vous avez des prestations, des concerts et tout à faire, ou bien quand vous voulez sortir pour vous rendre à des occasions vraiment exceptionnelles et tout. Est-ce que vous avez une équipe derrière vous qui vous conseille ou bien qui vous recommande Conseiller pour vous? vestimentaire. Voilà. Ouais, j'ai un en ce moment. Mais il est en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, souvent quand il y a des trucs à faire, il y a des concerts, je l'appelle, je lui envoie des photos, des vêtements que je vais porter pour mon concert. Bon, vu qu'il n'est pas à Bangui. Oui. Voilà, mais on communique via les réseaux sociaux. Il me dit là, ça te va, ou il m'envoie des images. Voilà, si tu peux trouver un truc comme ça. Ça va, voilà, tu peux gérer ton concert avec. D'accord, Voilà. d'accord. Non, on va dire que vous travaillez à distance et tout. Et cette collaboration à distance, c'est pas compliqué à gérer parce que après, l'idéal, bon, ça c'est selon moi, d'après ma vision des choses et tout, pouvoir vraiment faciliter la tâche et tout, c'est quand vous êtes dans un même pays, vous êtes ensemble et consorts et tout. C'est vraiment facile et tout, avec la proximité de décider des choses ensemble et consorts et tout. C'est vrai qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et tout, ça facilite d'une part la communication et tout, mais après, quand par exemple il y a des problèmes de réseau, quand ça bug et puis il y a une urgence qui est là derrière et tout, et que vous voulez vraiment avoir un look dans l'immédiat pour pouvoir sortir et tout, vous pensez que c'est pas Ben, le compliqué là? monsieur, bientôt, il sera à Bangui. J'avais accepté le contrat parce que dans le contrat, il devait vivre en Centrafrique. D'accord. Voilà. Et faire aussi des déplacements avec Ozaguin.
Ok. Voilà. Donc, je pense que je serai au pays fin avril. Je D'accord. serai déjà à Bangui. Parce que là, si je finis au Sénégal, je repars encore en France. Oui. Et le monsieur sera à Bangui, je crois, début mai. Début mai. Ouais. Donc, D'accord. je ne sais pas, la prochaine fois, quand je serai à Dakar, il sera là avec moi. En tout cas, c'est un réel plaisir. Ouais. On a hâte de vous. Si vous voulez revenir et tout, on sera toujours disposé à vous recevoir et tout. Ben, j'ai aimé déjà le pays. Hein. Si on me dit même de rester, bon, je peux à tout moment, quoi. D'accord. Donc, on Ouais. va dire que d'ici demain, Monsieur Ozakin va se déplacer avec son équipe artistique et tout, Ouais. qui va s'occuper non seulement de son image et de son style vestimentaire. Ouais. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé de, ça t'est déjà arrivé un jour de quand tu es censé faire une prestation et tout, Ouais. et que tu rencontres des difficultés par rapport à ce que tu dois mettre. Genre, tu te rends compte que voilà, tu n'as pratiquement rien à mettre et tout, et que tu dois coûte que coûte trouver un truc à mettre pour pouvoir faire la prestation. Ah ben oui, au début. Au début. Ouais. Ah, au début, c'était pas facile. Au début, c'était pas facile. Début, début, hein. Voilà. Mais pas aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, non. On va dire que. Mais quand j'ai commencé, Oui, genre, il y a 10, 10 ouais, ans par là. c'était pas facile, quoi. Parfois, tu peux appeler des amis pour demander si tu peux trouver. D'accord. Et c'était Voilà. quoi? C'était un problème de moyens Mais ou bien c'était un problème. moyen, tu connais la Centrafrique, mon frère. Là, on ne peut pas aller trop loin. Tu connais. C'est pas faux. Et Ouais. après, j'avoue aussi que en termes de produits ou encore de vêtements, d'articles, de Ah. marques et tout, c'est un peu compliqué de trouver ça sur place. Mais avant. Oui, avant. Ouais, avant. Et en parlant de ça, je crois que Monsieur Ozaguin a une boutique de vêtements, c'est ça? Oui. Comment ça s'appelle déjà la boutique? Digba Style. Digba Style. Ouais. Et comment ça se passe et tout? Vous, qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là de vous lancer dans la commercialisation des vêtements? Ben, comme j'ai l'habitude de le dire, un artiste ne s'arrête pas qu'à chanter. Nous aussi, on peut créer des business à côté pour accompagner ce que nous on fait comme métier. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que j'ai mon métier qui est là, la musique, mais il y a aussi des business à côté qui peuvent apporter de l'argent pour financer aussi mes projets artistiques. C'est pas faux. Et après, je pense que c'est une très belle initiative et tout, parce que déjà, vous avez une image qui est Ouais. assez imposante et tout, et vous pouvez puiser de cette image-là pour pouvoir créer d'autres business à côté et tout. Et j'ai aussi remarqué une chose, surtout par rapport à notre génération et tout, on n'est pas du genre à se concentrer sur une chose. On fait plusieurs choses à la fois et tout. C'est un constat que j'ai eu à faire et tout. Ben déjà les magasins, c'est pas Ozaguin qui gère. Ouais, c'est pas Ozaguin qui gère. Voilà. Donc moi je m'occupe de la musique et D'accord. mes business, il y a des gens qui gèrent. D'accord. Donc vous Voilà. avez une équipe Et qui. j'ai aussi une fondation D'accord. qui aide les enfants de la rue. Ok. Voilà, Fondation Ozaguin Goudoubé à Gazou, qui aide aussi D'accord. les enfants de la rue, vu que moi aussi dans voilà, dans je dirais dans 15 ans, j'étais un enfant de la rue. J'ai fait 5 ans à 6 ans dans la rue. Et c'est la musique qui a changé ma vie. Donc j'ai aussi une fondation qui aide les enfants de la rue. C'est une sorte de reconnaissance, on va dire. Ouais. Et je suis le mieux à comprendre les enfants là. D'accord. Ouais. Et comment ça se passe comment vous faites pour pouvoir financer cette fondation? Est-ce que vous avez des partenaires et tout, des bailleurs de fonds, ou bien c'est vous seul qui financez la fondation? Ben, les partenaires, je dirais non. D'accord. Voilà. Donc, c'est à Donc. travers ce que je gagne de la musique. Donc vous répartissez et tout, Ouais. vous redistribuez. Ouais. En tout cas, je tiens à vous féliciter, chapeau à vous, Merci. parce qu'on sait, on connaît tous la galère que vivent les enfants de la rue. Ouais. Ils sont vraiment exposés. Et si vous avez eu cette idée-là de mettre cette structure en place pour pouvoir les aider, leur offrir un avenir meilleur et tout, franchement, ça fait chaud au cœur. Merci. Et on va un peu toucher à la vie, à votre statut matrimonial et tout. Est-ce que Monsieur Ozaguin à une femme, à des enfants, etc. Oui. Et une fille. Une fille. Ouais. Elle a quel âge? 6 ans. 6 ans. Ouais. Charline Maya. Ouais. D'accord. En tout cas, papa te fait un bisou. Depuis Sénégal. Depuis Sénégal, au Ouais. pays de la Teranga. Ouais. Ok, d'accord. Alors, avant de continuer, je vais vous laisser la place, l'occasion de faire un petit a cappella.
genre de chanter un son qui vous tient à cœur et tout. Faites-nous plaisir. Guidusso, Zabena Zopin, Saragi Kwatimo, Fademo Kewarae, Mbie Kewarae, Nilambie Ketemoye, Mbie Kewarae, Mbisal Karim. Voilà. Et c'est quoi le nom du son? Rien n'est tard. Rien n'est tard. Ouais. Ça parle de quoi? Parce que... Dans la vie, en fait, si tu veux gagner ta vie, ne compte pas sur les autres. Fais ton travail, mets Dieu devant et ça va aller, ça va payer. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Ouais. Alors, on va passer directement à notre dernière rubrique qui s'appelle Relooking. C'est parti. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Look de Sartre dans notre dernière rubrique qui s'appelle Relooking. Alors, Monsieur Ouzaguen, nous avons fait une sélection d'habits pour hommes et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous, est-ce que vous vous voyez dans ces tenues-là, en particulier? Oui, il y a deux tenues Allez-y. qui me plaisent. Déjà, dans un premier temps, il y a ça. Et non, là, les deux. Et pourquoi c'est chaud? Bon, il y a de cela deux. Bon, l'année passée, j'étais au Burkina. Et là-bas, leur truc traditionnel. Il y a des trucs comme ça. Du bogolan. Voilà. Oui, c'est pas faux parce que Du c'est un même. tissu, c'est du bogolan et tout, et je pense que c'est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, là, tu ne peux pas me dire que ça vient de l'Europe. Non, non, jamais. Mais voilà. C'est Donc, du si Made in j'ai Afrique. aimé, c'est Oui. parce qu'il y a des designs là. C'est ça qui me plaît. Ça représente l'Afrique. Oui, la Ouais. culture africaine en Ouais, général. ouais. En tout cas, on dit souvent les goûts et les valeurs ne se discutent pas. Ouais, ben là, c'est d'après aux aguins. Hein. Je sais pas si. Mais c'est On dit d'après souvent les aux goûts et les aguins. valeurs ne se discutent pas. Ouais. Et après, j'apprécie vraiment ce côté africain et tout dans votre choix. Le fait de vous ressourcer, de vous inspirer de Mais nos si origines. c'était toi, Si c'était moi. ouais, Bon, tu allais après, je choisir. vais dire que moi, j'ai un style assez décalé Ouais. et tout, avant-gardiste. Si c'était Décalé. genre extravagant, quoi. Ouais. J'aime pas la sobriété. Tout ce qui est simple et tout, moi, j'aime pas. J'aime tout ce qui est décalé et tout. Mais Ouais. après, je pense que si c'était moi, j'allais prendre ça, déjà, parce que c'est extra, Ouais. avec le design et tout. Ouais. Et puis après, je vais aussi prendre Là, ça. c'est homme ou bien femme? C'est homme. C'est unisexe, on va dire. Ok. C'est unisexe, on va dire. En tout cas, très bon choix. Très bon choix. Et je pense que j'espère que les téléspectateurs sont vraiment satisfaits et tout, du choix. Alors, pour finir, un autre a cappella, pour Ouais, pouvoir ben, clôturer est-ce que en tu peux beauté. me permettre, Oui, allez-y. via l'émission aussi, D'accord. de passer un message à mes fans? Un réel plaisir, Mais allez-y. voilà. Sentez-vous libre. Bon, à famille, ici c'est Digba, au Zaguin, El Ministro Kotaku. Je suis là, hein, au Sénégal depuis hier pour un concert qui va se dérouler demain dans la salle Soweto. Je ne sais pas si vous connaissez la salle Bien Soweto. sûr, bien sûr. Mais Oui, voilà, au donc Lucad. demain, je serai là-bas à partir de 20h jusqu'à l'aube. Bongatia Zabolo, Dombi Kwala, Gbani Gbana Mengechikodro, Alagaisangia, Voilà. Alors, c'est parti pour la capilla. On cherche, on cherche. Ouais. Roulement de tambour. Tararara. Zotimbilae, ake zotimbilae, zotimbilae, soake zotimbilao, mutunanga, 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 Alors, chers amis téléspectateurs, ça a été un réel plaisir et tout de vous avoir, d'être en votre compagnie. Alors, on vous dit à bientôt et restez connectés. À plus. Ciao. Stallion, Osaka, Cameroun, Centrafrique.